8 heures sont déjà passées et le soleil est plus haut que la forêt dans le ciel. Ils sont tout roses. Mythique sans le muguet. Et Titi sans la lave. Oh, que c'est bon les enfants, que c'est bon. Bon, on va pas y laisser dormir jusqu'à midi quand même et en faire de petits paresseux. Je me suis laissé dire que c'était très mauvais pour la santé. Allons, Titi, réveille-toi. Allons, Mythi, réveillez-vous les enfants. La lumière, ah, bien sûr qu'elle est là, et depuis un certain temps déjà. Bien que les volets soient fermés, il fait jour comme en plein midi. D'ailleurs, je vais les ouvrir. Il fait bien frisson.
masqué ce matin. Bonjour les enfants, ça va bien? Madame la vétérinaire, on n'a pas trouvé le oiseau bleu. Que disent-ils? Oh mais non, ne m'en parlez pas, Madame Berlingot, ils sont comme ça depuis ce matin. Je sais pas, ils ont dû manger quelque chose qui n'est pas passé hier soir. Eh bien, mon petit Titil, ma petite Titil, vous ne reconnaissez pas la voisine Berlingot, la mère Berlingot? Mais si, madame, bien sûr. Vous voulez dire Berlingot, Berlingot? Non, Périlune. B-E-R-Y-L-U-N-E. Périlune, quoi. Ils sont malades, n'est-ce pas? Oui, je pense. Là, c'est critique. Bon. Et ma petite fille, comment qu'elle va? J'ai goussi, elle ne peut se lever. Le médecin dit que c'est les nerfs. Tout de même, je sais bien ce qui la guérirait. Elle me le demandait encore ce matin pour son petit Noël. Ah oui, je le sais, c'est toujours la même chose. Alors tu ne voudrais pas lui donner à cette petite? Elle meurt d'envie. Mais toi, maman? Tu le sais bien, ton oiseau. Pour ce que tu en fais, je ne le regarde même plus. D'ailleurs, il est où ton oiseau? Va chercher. Là. Tenez, Madame Berlingot, il n'est pas encore tout à fait bleu, mais ça tiendra, vous verrez. Non, ouais, vous me le donnez. Comme ça, tout de suite et pour rien. Bah oui. Oh, mon Dieu, qu'elle va être heureuse. Oh, il faut que je vous embrasse. Bon, je vais lui porter. Je reviendrai vous dire ce qu'elle aura dit. Papa, maman, qu'avez-vous fait à la maison? Elle est bien plus belle. Vous l'avez repeint. Vous êtes en flagrant délice. Montez pas. Maison? Mais si, tout est repeint, tout est reluit, tout est remis à neuf, tout est propre. Je n'étais pas comme ça l'année dernière. Ah bon? Entrez. Regardez le miracle. Oh, pas possible. Elle marche. Mais elle marche, c'est-à-dire qu'elle court, qu'elle vole. Quand je suis rentrée, je lui ai donné l'oiseau et elle a sauté d'un bond à la fenêtre. Puis après, dans la rue, comme un ange, c'est tout juste si je pouvais la suivre. Et alors les enfants, est-ce qu'ils vont mieux? Oui, j'ai l'impression. Je pense que quand ils auront mangé, ils n'y paraîtront plus. Allez, va remercier Titil et Mithil. Allez, Titil, enfin. Qu'est-ce que tu as pas peur de la petite fille quand même? Allez, va lui faire un gros bisou. Allez, allez. Enfin, mieux que ça. Un vrai baiser. Toi qui es d'habitude si effrontée, vas-y. Voudrait-il nous le rendre? Nous en avons besoin pour être heureux plus tard.